Bonjour et bienvenue sur Comme D'Habitude Gaming en compagnie de Knarfhang pour un nouveau let's play, que l'on va bien platiner hein, d'ailleurs. Vous êtes prévenus, hein. On va bien platiner le jeu. Nous sommes sur une refonte intégrale de Skyrim sur un mode qui s'appelle Enderal Forgotten Stories, qui possède d'ailleurs sa propre page Steam pour ceux que ça intéresse. Et donc à première vue ça refonde intégralement le jeu. Attendez, est-ce que j'ai déjà fait crash le truc? Parce que j'ai été sévère, j'ai tout mis à fond. J'étais très sévère avec le jeu. Non, c'est bon. Ça n'a pas encore crash. Tu supportes la manette, mon grand? On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais on verra bien. Donc bref, nouveau, jamais joué, jamais rien. Depuis 2 ans, un fléau s'est abattu sur Enderal, cette étrange maladie que les locaux appellent la folie pourpre pousse les paisibles citoyens à commettre des actes de violence déraisonnés. Je pense que tous les héros qu'on joue dans Skyrim sont atteints de ça. Dans Elder Scrolls même en général. Alors, la manette ne semble pas reconnue. Ça c'est un vilain défaut. Commencer une belle journée d'été. D'accord. Ouais, la 106 souris, ça a l'air d'aller. Hein. On va se faire ça. Hein. On va se faire un jeu souris-clavier. Ce qui n'est pas trop mon style habituellement. Hein. Moi, c'est des jeux de chill. Jeux sur chill. Or, défaut majeur du jeu, on n'est pas un prisonnier, quoi, en fait. D'accord. Ah ok d'accord, on court de base et quand on appuie sur sur un mâche-clic on s'arrête. Ok. Lire des capacités exclusives de la viande. La viande c'est la vie. Même le peuple de cendres qui habitait ce monde avant nous le savait. Chaque fois qu'ils tuaient un ennemi durant une bataille, ils arrachaient le foie et le cœur du défunt et les mangeaient ensemble en famille. Comme tout le monde le sait, en procédant ainsi, ils absorbaient la force de l'ennemi abattu. Mais comme nous vivons des temps où manger nos semblables est considéré de manière absurde comme barbare, nous, les amis de la viande saignante, devons nous contenter de leur pendant chez les animaux. Ah, attendez. Attendez. Je suis en train de me dire qu'il y a peut-être plusieurs pages. Tournez les pages. Tournez les pages. Mouse 2. Non, il n'y a pas d'autre page. Ok. Très bien. Bon, alors déjà, vous allez être très content parce que par rapport à Fallout et donc Skyrim de base, enfin les Elder Scrolls, je ne peux pas tout loot. Je sais que vous nagez dans le bonheur là. Là, je sais à quel point... ceux qui sont trop habitués nagent dans le bonheur. C'est superbe. Bon, excusez-moi, je check, j'en profite. Non, attends, c'est bizarre que... C'est bizarre que je puisse pas courir. Il y a des contrôles qui me paraissent obscurs. Parce que là, je ne fais que marcher. Je ne cours pas. Ce qui me pose énormément de problème, là. Car nous aimons courir. Après c'est peut-être juste parce qu'on est bloqué dans le tutal. Bon. Voyageons hein. Bon le jeu est beau. Mais un peu incohérent sur son début. Hein. Je sais pas ce que je suis allé stationner ma carrette comme ça au fond du monde. Hein. Putain je l'aurais arrêté avant. Tiens. Ça je suis obligé de venir voir ça. Bonjour, lire une note gribouillée. Ô Seigneur, ô Créateur, j'entends votre appel, je sens votre amour, je connais votre sacrifice. Sans vous, je ne suis rien, une bradille sur les courantes du temps, une brebis sans berger. Libérez-moi de mes vices et pardonnez mes offenses. Pardonnez aussi ma femme et mon enfant. Délivrez-moi de mes tourments et bénissez-nous de votre miséricorde éternelle. Ok, si tu veux. D'accord. Et donc ton créateur représente une femme. Oui d'accord. Ok on est d'accord. Ou alors il a trop poussé la salle sur les pecs. Hein. Comme tu veux. Je peux parler à papa. Oh hey there. I didn't see you coming. So how did it go? Did you find it? Where are we? We're at home, silly. Where else would we be? Just mommy, sister, you and me. Now tell me, how did it go? Did you find it? No? Pity. Maybe you're simply looking in the wrong places. Did you ever think of that? Oh well, who knows? Say, why don't you go inside and see if you can help Mommy with the cooking? The Creator was kind to us today and sent a big fat elk right in front of my bow. All right? Ok. C'est moi ou t'as des yeux un peu chelou, mec? On va pas injecter de sang, hein, mais ok. C'est Walid. On peut rien looter, hein. Ah si! Un tonneau vide. Super, je peux rien looter. Ok, je pense qu'on va peut-être pas platiner ce jeu en fait. Parce que si moi je peux rien loot, hein, je vais devenir fou. Hein. Ouais, Elder Scrolls, les jeux quand je me connecte, c'est que je peux tout loot. Hein. Je peux tout ratisser, je peux tout nettoyer. Découvert. Hop, ouais, carrément. Ça y est, c'est bon, je peux commencer à loot. Des tomates, je prends. C'est quoi pour tout prendre? C'est R, voilà. Je vais en avoir besoin, hein, du raccourci du coup. Un couteau. Piquer des petits couteaux. Bah je peux piquer quoi en fait. Comme d'hab. Hein? Yes. Oh mais excusez-moi, hein, je prends tout. Hein. On sait pas ce qu'on peut trouver. Hein. On sait jamais. Hein. C'est pas drôle. C'est un mauvais rêve. J'aime pas ça. Tente à la viande, donc ingrédients, 2 livres de viande émincée. Waouh, 2 livres... alors attendez, la livre c'est environ 250 grammes, c'est 256 grammes je crois. Ouais. Un pot de farine, une poignée d'ail haché, une poignée de sifflefeuille haché, un demi-pot de bouillon de viande. Un bouillon de viande? Mais ta pâte elle est morte mec. Une pincée de sucre. Ok, bon si tu le dis hein. Mais moi je te garantis que t'as pas t'as fait la gueule à la fin. Ou alors tu l'as déshydraté ton produit entre deux. Ah, découpage d'êtres humains. Oh, on est dans les grosses ambiances. Nécessite une clef. C'est embêtant, j'ai pas de clef. Je prends un seau, je vais piquer le seau. Hein. Je pique tout ce que je peux piquer, je sais pas quand est-ce que j'aurai besoin des trucs. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai besoin de beaucoup de choses intéressantes. Dommage, la pièce d'or, c'est pas celle de Bob Lennon. On est triste. Évidemment. C'est un jeu qui s'est voulu sérieux avec tout son lore et tout. Sympa. Hein. Ah! Gros tableau. Évidemment. Les gens qui aiment le macabre toujours. Alors, la viande, c'est la vie. On connaît déjà. L'art de la viande croustillante. Qui ne sait pas ça? Vous vous attendez à une belle pièce de viande croustillante après une dure journée de travail, mais vos enfants inutiles qui avaient instruction de la préparer vous servent à la place un morceau carbonisé. Vous les fustigez, mais le problème reste le même. Vous êtes affamés. Ce qui signifie qu'il n'y a pas d'autre moyen que de le faire vous-même. Vous vous rapprochez de la cheminée, découpez un gros morceau saignant de l'animal et le jetez dans la bouilloire. Et surprise, lentement, l'agréable odeur de la vie brûlée atteint vos narines. Y a-t-il quelque chose de meilleur que ça? Je ne crois pas. Je sais pas, mais je dirais que vu tes traditions, tu vas peut-être finir par manger tes gosses. Les capacités nutritives de la viande. C'est ce qu'on vient de lire. On est d'accord. Bon, on tire tous les livres. Hein. Pas de discussion. L'art de la viande croustillante. Ouais, évidemment. Et c'est 3 fois le même livre. Ok. Enfin, 4 fois du coup. Ça va être 100 fois les 2 mêmes livres, c'est ça? Ok. Ouais, les mecs, ils ont pas ouf lecture. Ils ont des livres d'une page, là. On va essayer de les spam un peu vite. Prends tout, hein, parce que ça a l'air de rien, mais si on peut les vendre, hein, 25 balles le bouquin, je rappelle. Hein. On gratte tout ce qu'on peut gratter, et ça pèse de rien. Très rentable, les livres. On apprécie la rentabilité d'un livre. Très bien. Des poireaux, rien de bien fou. Ah, ça se rebloutait, non? Ok. Faut une clé. On va ici. Du tonneau vide. Les gens qui font sécher leurs pompes. prendre une paire de chausses élégantes. Ça me va. Oh, un linge sanglant. My, my, I totally forgot what a mess I left here. But I was right, wasn't I? A real gem we've got here. Well then, let's waste no more time and get to it, shall we? What? Now when you look at that, I totally forgot about them. They're dead, don't you remember? You murdered them back then, both of them. But hey, no use crying over spilled milk, right? At least this means there's more meat for the two of us. You still remember how to do this, right? First, off with the skin. Slice up the belly, then out with the entrails. I'll look for a nice sharp knife in the meantime, to cut off the head. I don't think either of us wants to eat that, do we? Oh, silly, what's this again? We both know that's a lie. You did it. I remember it all. First, you set this horrible fire to your sister's crib. She screamed and screamed, and Mommy heard it, but when she finally got there, nothing was left of her but burnt flesh. And, oh gosh, do we really need to go through this again? You know how sad it makes me when you do this. You killed them, period. No matter how often you tell me you didn't, it changes nothing. You hear me? Nothing. Now please, let's start cooking. I'm so bloody damn hungry. Je peux que lui reprendre les... Je les ai pas tués, papa, c'était l'homme. By the creator's name, why are you telling these lies? Isn't it enough that you murdered us? Do you really have to bother me over and over with your stupid, pathetic, and pointless whining? You know, sometimes I wish the creator would have made me just a little less merciful, just a little less pious, because then I would have realized that you were tainted by sin long before any of this had ever happened. And instead of raising you, feeding you, and loving you like a father does, I would have put you in the horse trough right after you were born. Yes, I should have killed you. I should have just killed you, just like you killed us. And now, you think you're safe because we're all under the earth, don't you? Well, listen up, my child. You are wrong. And do you know why? Because the dead don't forget. Do you hear me? The dead don't forget. Now enough of this useless chatter. I'm bloody starving. Bring me the meat, you spoiled brat. Bring it to me. Bring me a nice crisp piece of meat. Bring me a nice crisp piece of meat! 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 Et ben, grosse ambiance, hein? Grosse ambiance. Let's begin with a question. It might sound simple to you at first, but I pray you to think about it. What distinguishes a free man from a slave? For now, however, let us start this story where another one ended 3 years ago, with the death of the Lightborn. For 4,000 years they had reigned over this world, 7 arcanists, who through their magic had acquired eternal life. In a time of chaos, they gave mankind what they thought it needed most, to be ruled over with an ironclad, fair hand. Within just 1 century, they united the shattered lands, and a single century later, their human origin was forgotten. They became gods, or Lightborn, as they let themselves be worshipped as. Yet the longer they reigned, the louder the voices grew that accused them of tyranny. The loudest being that of Naranzul Aranthiel. And he succeeded in achieving what was once thought impossible. He gathered an army, overturned the Lightborn, and gave back freedom to mankind. However, the price for this was high, because where there are gaps of power, fights erupt. As such, this world grew into what it is today, shattered, riven, and broken into pieces. But all of this was merely a diversion, so that no one would notice something else. The death of the Lightborn had set something into motion, a clockwork. Having long stood still, its gears now once again slowly began to turn. This is the story of someone who wanted to be free. Or what? Well, sorry. That was a bit harsh. I'm just nervous, that's all. It was that dream again, wasn't it? Ouais, en tout cas, pour l'instant, hein, lourd le jeu hein, pour un jeu gratos. Hein. Seriously, if we had a penny for every night since we met where you woke up screaming, we'd probably be traveling to Enderal in our own starship and... well, not like this. Some things never change, I guess. Do you ever ask yourself if maybe you blame yourself for all of this? For what happened to your family, I mean. Alors, m'en vouloir pourquoi ça, je ne sais pas, peut-être quelle différence ça fait, c'est faux, c'est le bâtard du temps qui les ont tués, pas moi. As determined as ever. I guess you're right. But who knows? Maybe everything is going to be different now. It's strange, isn't it? The way life sometimes goes. Now, if you had told me that a few weeks ago, I would have at the very least called you insane. But if the stories are true, there's no better place for a fresh start. Can you believe it? Apparently there aren't even any slaves on Enderal. It's amazing. Only this whole blind passenger thing is making my headache. Ce n'est pas de notre faute si le bateau est si peu gardé et on n'aurait pas pu se payer la taxe d'embarquement de toute façon. Ouais, je prends les payer. Damn it, we're thieves, frauds. And unlike you, I actually have a problem with that. But anyway, what's done is done. I just hope the Enderalians are easier on Outlanders than the Nevermese are. Your mother was a fugitive as well, wasn't she? Where exactly did she come from? You've told me 100 times, but I just keep on forgetting it. Ah, nouvelle race et tout, hein. D'accord. Eh bien, lisons. C'est parti. Donc, ce serait demi Arazéaliens. Originaire des steppes arides du continent d'Arazéal, excusez-moi, les Arazéaliens, oh pff, ça va être chiant à prononcer, sont un peuple divisé. Les nomades natifs de la steppe maintiennent leur tradition panthéiste, tandis que les habitants de la côte les considèrent comme primitifs et luttent pour être reconnus au sein du monde civilisé. Ils commencent avec un bonus d'armure lourde, armes à deux mains, santé et artisanat. J'aime le style. Kiléen. Le peuple mystérieux de l'archipel de Kilé n'est pas connu pour son ouverture d'esprit, mais il est passé maître dans l'art du commerce. La coalition des îles bleues, la plus grande compagnie de commerce de Vine, se situe à Kilé. Les demi-Kiléens commencent avec un bonus de rhétorique, de capacité d'emport, de dextérité et d'archerie. J'aime beaucoup ces gens-là. Demi-Kiraniens. Les Kiraniens sont originaires du continent désertique de Kira, stérile et inhospitalier. C'est toutefois le berceau reconnu des sciences, du mysticisme et de la culture. C'est pourquoi de nombreux étrangers admirent Kira. Mais ses habitants sont souvent jugés hérétiques et amoraux, particulièrement sur les continents religieux comme Enderal. Pas de bonus visiblement. Bon, probablement magiciens les mecs. Donc les demi-Aeterna. Natif du continent marécageux de Myarhanath, les Aeterna furent forcés de fuir une terre dévastée par des décennies de conflits. Certains continents les accueillirent avec respect en raison de leur talent magique, d'autres les persécutèrent. Les Aeterna survivants gagnent souvent leur vie comme ménestrels ou prestidigitateurs. Les demi-Aeterna commencent avec un bonus d'élémentalisme, d'entropie, de mana et d'enchantement. Oui, non, on va partir sur un Kilé. Hein. Non, moi ça me va. Hein. Ah, le nom c'est moi, genre. Moi je peux pas changer de nom. D'accord. Pas terminé alors. À donner un nom à votre personnage. Moi je veux bien. Hein. Je veux bien, bro. Je vais juste m'appeler moi. Hein, parce que là, je sais pas comment je... Ah si, attends, corps. Ok, plusieurs choses qu'on peut choisir. Alors, il y a combien de sexes? Bah voilà, super. Que deux, hein. Vraiment. Vraiment, on en est là. En prédéterminé. Oh, oh, le swag, quoi. Le swag d'un homme, hein. Oh, je sais pas, mais il y avait un mec avec un taux de virilisme au mètre carré là, c'était impressionnant. Teint de la peau. Alors, si moi je peux aller vers, voilà, le Baptou suprême, plus blanc que blanc. Poids, tu peux partir sur un mec tout queuse ou un mec tout fat, évidemment. On va prendre le plus fat. Suivant, tête. Je sais pas, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce qu'on va vraiment passer 8 ans dans cette création? What? Il y a vraiment cette tête là? Tu peux vraiment faire un mec qui est tellement vieux sa mère que t'es mort en fait. Non, non, abîmé, hein. Abîmé, voilà. Bien abîmé. Terre 0, couleur terre 0, cicatrice. Oh bah si, on va se balafrer un peu quand même la gueule. Hein? Je sais pas si... Maison 1. Ouais, là, voilà, c'est bien ça. Direct qu'il y a un chien qui m'a marché dessus, c'est parfait. Ah non! Ah non, le tatouage, j'ai raté. J'aimais bien celui que j'avais. Ah non, ah les gars, aidez-moi à régler, là. C'était ça que j'avais, non? Je sais plus. Ouais. Ça devait être genre... genre celui-là. Couleur des peintures, blanc bien sûr, bah non pas du tout. On va repartir sur un bon rouge qui tâche, évidemment. Visage, type de nez, tout ça on peut garder. Moi il y a juste la barbe éventuellement, voir les styles de barbe, style de cheveux, le reste on s'en fout, les rides. Il m'a l'air déjà assez amoché comme ça me va. Forme des yeux, couleur des yeux, c'est bon, on est Walid. On est Walid. Oula, on est Walid. C'est Walid. Ça me va aussi. Ça me va aussi. Est-ce que c'est là qu'on règle la barbe? Non. Ça va être avec les cheveux. Très bien. Alors, cheveux. Alors, cheveux, ça va être chiant parce qu'il va falloir tout régler à la main. Genre mâche-cheveux, quoi. Non, mais s'il faut me faire moi, faut qu'on trouve une calvasse, hein. Par contre, il y a beaucoup de coupes. Ah bah voilà, là on a une calvasse, là on est bon, là. Là on est Walid. On fait un vieux, quoi. Mais avec du cheveu long, c'est rigolo. Faisons un vieux avec du cheveu long. Barbe, est-ce que t'as pas un truc un peu plus vénère? Amène ta tête. Est-ce que t'as pas un truc un peu plus fâché, là? Un peu plus gros barbu, quoi. Ah, ça c'est pas mal. J'aime bien un gros barbu comme ça, ça me va. Bah nous on cherche orange, hein. Ça a pas l'air d'être tout à fait orange ça. Moyen bof. Ah ouais, bien le rouge quoi. Bon, après ouais, après on est dans un monde fantaisiste, ça me va. Donnez un nom à votre personnage, je veux toujours bien, c'est vraiment, je refuse pas, hein. C'est pas que... C'est vraiment... ah non, c'est terminé et donner un nom à votre personnage. Ok, bon, on va l'appeler le Knarfhang, hein. Voilà, on est vieux mais on est stylé. Ah, Kilé. She fled from that civil war the Black Crescent caused, didn't she? Ironic, isn't it? Seems some parents pass on their fates to their children. Anyway. Whew, I'm gonna hit the hay for an hour or so. It's your turn to stand... Wait. You hear that? Shit. Someone's coming. Women nowadays just don't want them. To court them anymore. That's the problem. I tell you. Sometimes I long for the good old days, back when I could lift a skirt and nobody would bat an eye. Anyway, enough of the chit-chat. Now, where did I put that key? Oh, blazes, what do they want down here? The lamp! Quickly! Put out the lamp! Good. Now, quiet. Ah, here we go. Ah, it smells like Vautier's balls down here. Say now, what's that chest supposed to look like? Small, with the crest of the Blue Island Coalition on it, I think. Ah, yeah, right. Black Guardian knows what the captain wants it for this shortly before arriving. You go look upstairs. I'll see if I can find it down here. Okay. Oh, shit. They don't leave us any choice. We need to do something quick. You take on the old guy, I'll take the young one. Go! Wrong time, wrong place! Throw him to the face! Okay, relève-toi. D'avoir l'air plus long. Oh, on peut éviter les attaques vraiment. Mais attends, je suis toujours accroupi là, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, je suis encore accroupi. Non, mais on va rien éviter là. Oh. Truc impossible de courir ou de porter des attaques puissantes. Ok, j'entends. Ouais, je devrais manger un truc. On va éviter quand même. Oh, je l'ai fini là. Bah voilà. Oh man. That wasn't part of the plan. Not at all. What in blazes are we going to do now? Yes, of course. That makes sense. One of them said it's not much longer until we arrive. With a little luck, no one will notice they're gone until then. Come on, help me search. There must be a rope or something. And I thought we were over the hump when we made it on board. Ok, mais d'abord, laisse-moi leur chourer tout ce qu'ils ont. Parce que j'y tiens. Enfin, je tiens à absolument tout chourer. Comme à mon habitude, puisqu'on joue des clodos. Alors, pas des prisonniers, mais on est quand même pas loin là. On se sent déjà plus dans le thème. Bon, j'ai trouvé une corde. Who are you? You are confused by my sudden appearance. But my identity is irrelevant, as are you, dear Sirius. Unfortunately. What? Oh shit, please don't tell anyone we're down here, please! We didn't mean any harm, these guys were just... You ask that I not reveal you, for your intentions were not evil. And I believe you, but sadly, it's not compassion that rules my deeds. The first beat of a wing must happen. It is the only way the probabilities will fall into place. This is the way it has to be. The way it has been for eons. I am sorry. What the? Oh no! No! What are you doing? Please! Just don't leave! We just wanted to... Ça c'était un ta gueule c'est magique je crois. After you had left Osteen, the two of you hid in the cargo and lived on our stocks. Then when Rick and Sebald found you, you gave them a beating. And all of a sudden, a veiled woman appeared and knocked you out with wild magic. Is that about it? Yes. I know it sounds crazy, but it's the truth. Please, my dame, we didn't have a choice. You've got to believe us. The war. We just wanted a second chance. That's all. A second chance. Yes, I think I understand you. You wanted to start a new life in a new land. And as my ship is one of the only ships still sailing the route since the wars, we were simply forced to board without paying. Yes, we could work for you, you know? We could scrub the deck, peel potatoes, anything to pay off our debt. And as soon as we've arrived... Heartbreaking. How truly, truly heartbreaking. But let's be honest. You did have a choice. You could have signed on like all the others did, but you didn't. Instead, you've nested on my ship like flesh maggots, enjoying the good life while my crew actually had to earn their keep. And now you're feeding me this bullshit about veiled women and wild magic? How stupid do you think I am? I know your kind. You are cutthroats, filchers. At least have the guts to admit it. What? No. You're wrong. Please, just let me explain. I don't give a shit for your explanations. If there's one thing I hate more than cowards, it's people trying to pluck my heartstrings. You two are scum. And there's only one kind of punishment for scum on my ship. Pull him up, Ruger. But Captain, they... Do it. Of course, Captain. I'm sorry, lad. You should have stayed in their room. But... You can't do this. Oh, believe me, I can. No, I... Oh, well, look at that. Someone's woken up. Rise and shine. Tie him and his friend together and feed them to the fish. Good luck in your new life, friend. En tout cas, c'est généreux en cinématique. Hein. Bon, c'est cinématique Skyrim, hein, on est d'accord, hein, mais... C'est cool, hein. Moi, je suis bluffé, hein. Breathe. Tell me, what is time? To the dead, dreaming anyway. So many people just talk, and never... How does it feel to be powerless? This is about your damn pride, Tina. I know I'm not real. And it's not according to your definition. I know damn well I'm doing it. It's just... And there was nothing I could do. This isn't happening. But then again... This just isn't happening. What is reality anyway? Selfish fool! Je ferai un mode dragon là. Là-dessus. C'est vrai qu'il y a des petits effets d'eau et tout là. Oh, c'est un peu classe. Hein. Talent poudre d'éclair. Retour. Pas sûr. Ils m'ont dit quelque chose, hein, mais j'ai pas suivi. Peuvent être crochets, le crochetage et... Ok, d'accord. Apprenti voleur. Lycanthrope. Allez percevoir vos ennemis. Grande distance. Vent arctique. Projette un cône de glace. Me permet de lancer une version plus puissante d'un sort de mentaliste de magie blanche en l'équivalent dans les deux mains et en lançant les deux simultanément, d'accord. Me permet de lancer une version d'un sort psionique et anthropique, d'accord. Ouais, ça a été fait par des mecs qui sont assez fans, donc Y pour méditer visiblement, ok. Bon, c'est des rôlistes, je pense qu'on confond le truc, hein. C'est pas trop d'erreur, je pense. Ok. Alors, moi ça me parasite. Hein. Si vraiment je peux pas courir, là ça va me parasiter. Paramètres. Jouabilité. Ah bah attends, peut-être passer la manette. Yes, ça me va. Vas-y, fais voir. Là, théoriquement, on est sur de la manette. Oh. Ok. Ok. Et normalement, c'est cette gâchette-là pour courir. On court pas. Si, ok. Des pièces détachées, des trucs et des machins. Ouais, on prend tout, hein. Ah ouais, on prend tout, hein, carrément. Alors, il y a une grotte. Écoutez, c'est parti, hein. Si, c'est une grotte, évidemment. Oh, ça a l'air de mener nulle part, hein. Ça a l'air de mener là où je devrais pas aller. Ok, on est sur un gros flou cinématique. Alors j'avoue, hein, je suis désolé, hein, je sais que la team PC m'en voudra de jouer à la manette. Mais j'ai toujours eu l'habitude de jouer manette, sauf sur Morrowind. Je suis un peu... j'ai un peu plusieurs milliers d'heures de jeu en manette. Hein. Ah non, moi, ça si je compte... ouais, je vais presque avoir 10 000 heures. Avec Start dans le menu, machin... ça commence avec les rêves. On a les stats, RTX Tetris, le système. On est très content, on a tout. Merci. C'est gentil de refaire un tuto, mais normalement, on connaît à peu près le jeu. Parce qu'il faut un peu le jeu de base. Normalement... il faut chercher dans notre ami de squelette. Il a un couteau. Torche. Matos. Pioche. Ok. Bon. Il faut se trouver un lit pour se reposer dans cette version. D'accord. Et donc dans mes objets, je peux m'équiper de... pioche, ce qui est plus badass là, on est d'accord, non? Alors 3 dégâts dans les deux cas. Jouons donc au couteau. Et remettons des vêtements usés. Pièces détachées. Alors, on ne sait pas à quoi ça sert, mais sans nul doute ça sert. Intéressant. Très intéressant. Un errant décharné qui possède une épée, un filon de fer. C'est parti, hein? Avec grand plaisir. Formidable. Par contre, du coup, on a mieux maintenant. Normalement, l'épée devrait faire un peu plus de dégâts que le couteau. Ouais. Ça commence avec des rats là. Oh, vrai jeu, hein. Vrai jeu. Putain, ton pote il est vide en plus. Et où ce con? Ici. Ils sont vides tous les deux. Vraiment. Ah, ça y est, on peut commencer à loot. Ah. Ça va mieux. On peut vraiment commencer à loot. Ça va vraiment mieux. Par contre, magie. L'idée pour débloquer de nouveaux souvenirs et devenir plus puissant. Ah. C'est embêtant ça. Pas de sort de soin de base. Ah, pourtant, domaine de magie, si sous-côté, pourtant si pratique. Je suis en train de voir... Ah si, la jauge de vie remonte. J'allais dire... ça y est, on est sur un vrai bon jeu de rôle, mais non. Touc. Du coup, on est juste sur un jeu de rôle nul, quoi. En conséquence. On va se faire une petite heure, hein. Je vais pas forcément aller très loin parce que je sais pas trop en termes de cinématiques, ça a l'air s'enchaîner beaucoup. On vient de se taper quasiment 40 minutes de cinématique avec création de perso, hein, mais j'ai été assez rapide sur la création de perso. Donc voilà, peut-être pas... Certes, tu tapioches mon grand. Y a rien dans le squelette. Mince, ça a passé le livre. J'ai ramassé des trucs, je regarde même pas ce que je ramasse, je les ramasse. Alors ça vraiment, ça c'est vraiment, c'est d'abord je loot, après je me pose des questions. C'est un peu problématique chez moi. Ouais, non non, tranquille la statue. Ok LM. Donc, on a looté des choses. Dont un livre. Donc on a des pièces détachées, tac tac, comme ça. Livre d'apprentissage, une main apprentie. Ah, d'accord, ça détruit le livre. Oh non, 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 non. J'ai mangé un livre, je suis maintenant plus intelligent. Pourquoi je... Ah oui, parce que c'est juste flèche gauche, ok, pour tourner. Très bien, très bien. Il n'y a rien à signaler, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je cherchais d'autre? J'ai pris le livre et j'ai pris un autre objet. Quel est donc cet autre objet? Ça, clé runique. D'accord. En tout cas, il ne sera pas dit que nous ne voyageons pas. Hein. Il y a de l'intention qui est quand même mise hein, dans le développement. Là. Les mecs, ils ont soigné leur intro quand même. Hein. Ils se sont dit, j'ai envie que tu joues à mon jeu. Hein. Mais, merci. Je pourrais faire ça. Je vois que ça c'est toujours bugué, ça fait plaisir. Il y a des bugs qui ne changent pas. Oh, Clodoman. Ah, c'est-à-dire que je... Attendez, je viens de penser à quelque chose de catastrophique. Je viens de penser que si on n'a pas les cris de dragon, donc je peux pas tousser pour accélérer, ne jamais aller vers la lumière. Pas une bonne idée. Ok, où que j'aille déjà ça débouche sur quelque chose. Alors bon. Moi je vais pas tout droit parce que je suis un aventurier, hein, et donc les aventuriers ne vont jamais tout droit, évidemment. Très important. Beaucoup de grosses toiles, hein. Beaucoup de grosses toiles. Oh, du Dwemer. Non, 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 non. Non. Il manque, je trouve une fonderie. Ok, rien. Même pas un petit caillou à miner. Même pas un petit truc là planqué vite fait dans le coin. Non, rien. Alors, je suis bien sûr du genre à me déplacer sans torche, sauf que je sais pas si c'est extra, si ça rendra extrêmement sombre sur YouTube ou pas. Donc, si vous êtes encore là au stade de la vidéo, 45 minutes, ça m'étonnerait qu'il y ait encore des gens. Faudra pas hésiter à me dire s'il faut quand même que je mette une torche ou pas, quoi. Faut jamais aller en face, hein. C'est toujours la suite. Hein. C'est un lieu source des potions de santé, augmente votre fièvre arcanique, buvez de... Ah, j'ai pas eu le temps de lire en entier. Mais à première vue, faut pas... C'est un peu comme dans The Witcher, à mon avis, il va y avoir un système d'empoisonnement. T'en bois trop, t'es pas bien. Moi je veux du cristal bleu comme ça, hein, j'arrache tout. Hein. Quoi Fièvre... Hein? Mais pourquoi? Mais l'est-il? Pourquoi? Il y a un truc magique, hein. Ah, c'est parce que j'aurais marché sur le caillou bleu? Pas le caillou bleu, hein, c'est le cercle. Hein. Ouais, c'est lui. Hein. De 12%, ok. Et quand on est à 100%, j'ai presque envie de vérifier. Je peux faire une sauvegarde? Vas-y, sauce-moi. Ouais, ça a l'air d'être quand même long d'y aller, hein. Bon, on va passer à autre chose, hein, parce que c'est un peu long. On aura cette réponse à mon avis plus tard. Mais c'est superbe, hein. Ah, le jeu est relativement moche, mais c'est normal, hein. C'est les ressources de Skyrim, quoi. Livre d'apprentissage, furtivité, archerie, armure lourde, mentaliste, des flèches, un arc. C'est la vie. Non, c'est pas là que je veux aller. C'est objet. Je veux passer, s'il vous plaît, à l'arc. Et je voudrais quelques flèches, je vous prie. C'est bon, il me les met de base. Hop, ça. Ok, ok. Tac, toujours la même utilisation que dans Skyrim. Dormir, on va juste dormir une heure, ça suffira. Très largement, voilà. Objet, on a des livres. Livre de sort, isolation, rang 1. Éclair qui inflige 7 points de dégâts par seconde à la santé et au mana. C'est appris. Nous avons une clé de temple interdit. Très bien. Nous avons des morceaux de métal dans tous les sens, des pelles, des trucs, mais où sont les livres? Attendez, la vieille robe donne de l'armure? Super, j'ai une vieille robe. Et je suis blindé depuis que j'ai une vieille robe. J'ai pris des livres, mais ça les a pas... C'est genre automatiquement intégré, non? Ah d'accord, il compte... ça compte dans la bouffe, ça. C'est ça que t'es en train de me dire, là. Ah ouais. D'accord. Donc le livre d'apprentissage d'archerie, d'armure lourde... Oui. Pas assez de points d'apprentissage. Pardon. Plaît-il? Ça fonctionne toujours, raccourci clavier, si on veut rentrer en méditation? Allez, on rentre en méditation, on va voir. On peut interagir avec les cailloux là? Il se passe vraiment des choses? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que je me suis fait un peu douillax. Je me fais douiller. Pas assez de points d'apprentissage. Je sais pas où est-ce qu'il voit ça. Magie. Ok. Carte. Oh, on a une carte du monde, évidemment, on l'a pas regardée. Ah ouais! Non, non, mais ouais, il y a un jeu, hein. Il y a un jeu potentiel, hein. Il y a un truc, hein. Il y a des gens qui ont travaillé. Dessiné par la magistrat Gaëla. Pour le compte du Saint-Ordre en l'an 8233 après Météore, hein, de Pégase. Hein. Tout ce que je... Voilà. Récolter une mousse barbie, excellent. Je veux dire, je peux passer de l'autre côté, j'ai pas regardé si... Il y avait des choses dans l'eau. Rappelons-nous qu'il y a souvent des choses dans l'eau. Du moins quand il y en a, t'es content. Quand il y en a pas, t'as l'air con. Voilà, c'est tout. Alors s'il y a toujours les mêmes potions, hein, les mousses barbues, je suis refait. C'est partie des ingrédients qui sont quand même très très cool. Ouais, je pense qu'une torche, hein, va falloir... Voilà, déjà ça commence à être limite alors. Ouais, moi c'est très très limite déjà. Bon, faut dire que j'ai de la lumière. En hiver, mince, j'ai de la lumière dans la figure, quoi. Faut le faire. Ça fait que je tourne ça ce jour où il faisait beau. Sauvegarder. Hop. Cadavres et les lumières, ils sont partis. Oh mais s'ils veulent, hein. Ils peuvent nous foutre la grande paix, hein. Ça marche aussi, hein. On le vit bien. Ok, ok. Là, il y a un bras à zéro. Ok. Je sais juste, hein, ok, il n'y aurait pas un petit coffret caché dans un coin. Il n'y a rien. On va donc vers le temple abandonné. C'est joli, hein. Ah, je l'ai déjà dit, mais je leur dis, hein, parce que vraiment. Et je rappelle que, alors, je crois que c'est payant si vous n'avez pas Skyrim. Mais si vous avez Skyrim, je crois la version HD. Le mode est gratuit sur Steam, évidemment. Ce qui est ouf. Vous avez trouvé une griffe de givre. Les griffes placées dans votre inventaire dans consommable augmentent votre capacité d'emport d'un point de façon permanente quand vous les mangez. Ce jeu est parfait. Ce jeu est parfait. Un item consommable qui te donne de la capacité de port supplémentaire définitive. Ce jeu est parfait. J'ai bien fait de faire un tour. On a la griffe de givre. Oh là, je vais me coincer dans un truc. Bon, on n'est pas descendu par l'escalier, on se la refait. Voilà, on arrive par l'escalier, on arrive là. Ok, il y a une suite par ici. Pareil, je vais juste faire un tour. Un kit de conscience, même si je pense qu'il n'y aura rien d'autre. Au milieu, il n'y a rien. On peut continuer par là. Le RTX quand même, hein. Pas à dire, ça a de la gueule, hein. Je sais pas si ça fera ramer la vidéo, mais ça a de la gueule. Ok, je suis arrivé avec une pioche. je mets pas de glissement. Il y a une cachée là-dessous? Si, si, ça c'est un coffre ça. Ça je reconnais. Des couronnes. Endraléennes. D'accord. Oh regarde, c'est un peu la monnaie hein. Je sais pas hein. Il faut avoir une torche. Hein. Bon, en vrai je pense pas qu'on ait loupé grand chose. Livre de sort bénédiction. C'est pris. C'est pris mais c'est appris hein. Y a pas à discuter hein. Il est où ce livre? Redonne 6 points de santé par seconde au lanceur, aggrave votre fièvre arcanite de 0,5%. Cette aggravation peut être atténuée par l'atout expérimentaliste. D'accord, très bien. C'est pris, c'est noté. D'accord. Mais what else? Interagir avec équipement. Bah yes, carrément. Et ça fait quoi? Si ça devrait tourner là. Bon là j'ai interagi avec des trucs mais ça n'a pas l'air de vouloir me laisser passer pour autant. D'ailleurs oui, on peut définir les ondes, je viens d'y penser, je sais plus, magie. Ah oui non, c'est si je m'en équipe, c'est cuitos. Il y aura les raccourcis à faire mais j'ai plus mémoire. J'ai plus mémoire du truc, comment on fait les différents raccourcis. Ah bah voilà. Interagir, valve. Alors, on va se poser 5 secondes. Hein. Vraiment pour taper une gueulante. Valve, c'est un mot anglais. En français le mot c'est van. Et si vous me dites, oui mais il y a électro-valve, cardio-valve... Oui, oui, ça sert à quoi? À ouvrir, fermer. Donc c'est une vanne en français. Juste une grosse flemmardise intellectuelle, c'est tout. Désolé pour les gens. Mais Valve n'est pas français, comme c'est anglais. Voilà. Oui, d'accord, ils ont fait Steam, mais quand même. Non. Non. J'ai dit non. D'abord je cherche dans ce coffre. Boîte à outils. Ah mais on joue en bricole guy hein. Vraiment. Pièces détachées. Un plan de bouclier en cuir. Ah ouais d'accord ok. C'est ok, c'est comme ça que vont fonctionner les fabrications. Qu'est-ce que t'es toi mon pote? Alors, tu vas pas encore attaquer, mais je pense que si je te mets une cartouche, je le regretterai pas. Un élémentaire debout. Par contre, j'ai pas le bruit de flèche quand je te la tire dans la bouche. Je suis un peu deg. Est-ce qu'on vient de 12 flèches? On est bien. Ok, je lui fais rien. Bah, c'est super. Yes, je suis bourré de boutons. Lève-toi. Bon, bah, je suis mort. Ok. Bon, bah, premier adversaire. Mort. Résumé, premier adversaire, je suis mort. C'est bien. Par contre, on est d'accord que vous m'avez carrément pas donné assez de flèches pour tuer ce machin. Hein. Si, il faut être en fufu quoi. Attends, je suis cramé là. Bon, il faut un truc qui fait plus mal que juste des petites flèches à la con. Juste des petites flèches à la con, c'est mignon, mais ça fait 0 dégâts. 4 dégâts, ouais, il faut passer... Ah, mais l'épée fait pas plus, hein. Ou alors est-ce que c'était le moment de se fabriquer un bouclier? Est-ce que ce serait pas le moment de passer sur une bénédiction à deux mains là? Non, toujours pas. Faute. Ok, c'est comme ça que marche le sort. C'est intégré. Mana faible, oh, nous on s'en fout. C'est pas le moment de se poser des questions sur comment va votre mana. Comment est votre mana? Mon mana on s'en fout, c'est plus le moment là. Ah si, donc je pouvais bien me l'équiper dans la main gauche. Ok, bon, ça va. Ça va. Je suis stressé pour rien. Les mecs du jeu sont cool. J'ai cassé le monsieur debout. Bah, il était debout et maintenant il est plus. Il a allongé. Ah, c'est humour. Ok, je suis à 30% d'intoxication alimentaire. Ouais, faut pas trop manger de magie, hein, le jeu il aime pas. Oui, enfin quoi que non, me range pas ça, on va essayer de se soigner un max. Je sais pas comment fonctionne l'XP dans ce jeu. Oh, des chaussures, attention. Hein. Je vais au moins avoir 0 points de blindage supplémentaire. Hein. Un pack croustillant, oh, c'est mignon, une petite pomme, un autre couteau. Des petits améthystes qui valent 100 balles, c'est toujours plaisir. Ok. Ça c'est scruté. Alors on va tout ranger parce que c'est vrai que ça fait mal aux oreilles la magie de guérison dans jeu 1. Je suis en train de voir s'il n'y a pas un caillou à miner. Un truc que j'aurais oublié de ramasser. Cadavre, on est bon. Non, on a l'air d'être bien. Hein. Je pense que j'ai rien loupé. Hein. Par contre c'est bien, la santé me remonte vraiment très lentement. Par contre on se remet en ninja. 1 heure 2 minutes, on a vaincu le premier mob du jeu qui... Enfin quoi que non, les premiers mobs du jeu c'était 2 rats. C'était 2 rats. Je suis un champion, j'ai pété la mouille à 2 rats. Gros monstre. Terminé, ça commence avec les rêves. Oh, attendez. Là. Bah c'est des courges. Non mais vraiment, le boulot c'est vraiment ramasser des courges. Ok, les petits champignons qui ont été design. Ah, pour la régénération de ma santé. Ah, d'accord. Attends, là on a une petite esplanade là. Là on peut kiffer le décor un peu. On peut kiffer un peu le décor ou c'est comment? Bon, il y a un petit flou, puis évidemment ça charge pas très loin. Hein. Bon, bah c'est Skyrim, hein. C'est un jeu qui a 9 ans, je rappelle. Donc c'est déjà beau qu'on puisse faire tourner ça avec du RTX. Voilà. Bah, je pense que c'est tout pour moi. Je pense que faut le prendre. Alors je peux aller plus loin, ça se trouve qu'en fait c'est nul. Hein. Mais ça a pas l'air. Là pour l'instant ça a vraiment pas l'air nul. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. C'était Knarfhang sur Comme D'Habitude Gaming. Pour... Skyrim. Enfin, on va dire Enderal Forgotten Stories. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.